Bonjour à tous, merci d'être fidèles au grand rendez-vous Europe 1 CNews. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de la France Insoumise, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Encore deux dimanches avant le vote pour les européennes, un scrutin qui s'est nationalisé comme jamais ces dernières semaines, qui a cristallisé tous les problèmes des Français, le pouvoir d'achat, l'assurance chômage, la sécurité, l'immigration pour ne citer que. Scrutin qui, malgré lui, a dessiné une rampe désormais bien claire vers une autre échéance, celle de 2027. Pour vous interroger sur tous ces sujets, je suis entouré de mes camarades Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. D'abord une question d'actualité, Manuel Bompard. Vous avez sans doute vu les images de l'arrivée des bus des supporters à Lille hier soir, ces supporters de l'OL et du PSG qui se sont affrontés de façon extrêmement violente alors qu'il y avait des familles, des enfants dans ces bus, 30 supporters, 8 gendarmes blessés. Qu'est-ce qui se passe dans la société, Manuel Bompard ? Pourquoi autant de violence ? C'est une bonne question. D'abord, je veux quand même dire que malheureusement, les violences en marge des événements sportifs et en particulier en marge des matchs de football, c'est pas nouveau. Certains d'entre vous se rappellent peut-être déjà par exemple dans les années 80, le drame du Heysel, c'était aussi des violences entre supporters. Bon, malheureusement, ça a toujours existé. Ça ne veut pas dire que c'est pas un problème et qu'il faut pas lutter contre. Moi, ce qui me surprend un peu, pour vous dire les choses franchement, dans les événements d'hier soir, c'est que on apprend qu'il y a donc des affrontements entre supporters qui manifestement impliquent des dizaines et voire des centaines de personnes et qu'il y a 10 interpellations. Vendredi dans la journée, il y a eu une initiative devant le siège de Total avec des militants écologistes. Il y en a eu 170 des interpellations. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on n'a pas été capable d'identifier. Pourquoi vous faites ce parallèle? Parce que le nombre d'interpellations en comparaison me paraît m'interroge tout simplement. Il y a de la complaisance des forces de sécurité. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je pose une question tout simplement. Mmh. Et pour le reste, malheureusement, il y a dans les clubs de supporters, c'est le cas pour les supporters parisiens comme pour les supporters lyonnais en particulier, des groupes d'ultra qui malheureusement se manifestent dans les stades ou en dehors des stades. Mais donc, par de la violence, par des propos qui sont inacceptables. Par des propos parfois racistes, il y a des groupes infiltrés par l'extrême droite dans les clubs de supporters, tout le monde le sait. L'extrême droite. Ah mais bien évidemment, et tout ça est documenté. Il y a quelques semaines de ça, on a arrêté en marge d'un match de football entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad des supporters qui préparaient des ratonnades dans les rues de Paris et qui appartenaient à des groupes d'extrême droite sécuritaire, on appelle ça les oifs de Paris. Violence ambiant qui aurait encore plus amplifié ces violences hier. Non, mais qu'ensuite il y ait de la violence malheureusement dans la société. Qu'il y en ait trop, je pense que personne ne le contestera sur ce plateau. Alors ensuite, la question qui nous est posée, c'est comment on lutte contre la propagation de cette violence. Et je pense qu'il faut le prendre segment par segment. Mmh. Il y a des violences qui sont liées, par exemple, au trafic de drogue. On le sait, je suis député de Marseille, malheureusement, je suis bien placé pour en parler. Bon, quelle politique on met en place pour lutter contre le trafic de drogue ? Moi, je crois qu'il faut mettre davantage en place de politiques d'enquête, de démontage des réseaux, de démantelant des réseaux. Il y a des violences qui sont liées aux des violences dans le cadre conjugal. Il faut donc plus de moyens pour lutter contre les violences conjugales. Voilà, moi je pense qu'il faut prendre le problème comme ça plutôt que de crier sur tous les plateaux violence, violence, violence. Politique maintenant, vous avez vu jeudi dernier ce débat entre Gabriel Attal et vous avez probablement vu l'intervention de François-Xavier Bellamy qui s'est désolé de ce qu'il présentait comme un débat confisqué par le service public entre deux tendances qui excluent les autres candidats, qui excluent les autres blocs politiques. Partagez-vous sur cette question l'indignation de François-Xavier Bellamy ? Bien évidemment qu'à deux semaines de l'élection européenne, qui a lieu donc le 9 juin, pour les gens qui nous écoutent, notez bien la date, il n'y a qu'un seul tour, c'est le 9 juin que ça se passe, qu'à deux semaines de cette élection, on ait deux formations politiques, alors qu'il y a, je crois, 34 listes en présence, qui aient le droit à un débat en prime time le soir sur France Télévisions. Oui, je trouve ça scandaleux. Et je trouve que ce n'est pas... Et vous jusqu'à parler de détournement démocratique ? En tout cas, il y a une volonté de la part du pouvoir macroniste en place avec la complicité de l'extrême droite de confisquer cette élection, d'en faire un duel entre le Rassemblement national et la Macronie et d'essayer de faire en sorte que les autres listes, en quelque sorte, n'aient pas le droit à la parole. Y compris en tout cas, avec Emmanuel Macron qui maintenant est d'accord pour un débat avec Marine Le Pen. Vous vous sentez oublié ?
Bah, je rappelle sur ce sujet que si Emmanuel Macron doit débattre avec Marine Le Pen, c'est-à-dire que cela fait référence à la dernière élection présidentielle et qu'à la dernière élection présidentielle, il n'y avait pas deux blocs en présence, il y en avait trois. Et que le troisième, c'était Jean-Luc Mélenchon qui a fait 22% des voix. Donc s'il doit y avoir un débat pour éclairer le débat entre les différentes familles politiques, il faut que ce soit un débat à trois, pas un débat à deux. Ouais. Si on veut être respectueux du résultat démocratique de la dernière élection présidentielle. Mais dans cet esprit, je me permets de revenir un instant. Jean-Luc Mélenchon lui-même s'est désolé de ne pas être invité en disant « Si vous m'invitiez, moi, à débattre avec Emmanuel Macron, ce serait un tout autre débat. » Quelle serait la différence fondamentale? On imagine, on a déjà vu deux fois le débat Macron-Le Pen. Que serait un débat Macron-Mélenchon? Non, mais je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon a proposé le débattre uniquement avec Emmanuel Macron. Non, vous comprenez bien, il a dit « Avec moi, ça aurait été autre chose. » Débattons voilà. À trois, puisqu'il y a différentes offres politiques, entre guillemets, qui sont sur la table. Si on veut éclairer les Françaises et les Français, il faut bien que ces trois offres politiques soient présentes. Parce que ça soit sur la question de l'immigration, où je rappelle qu'ils ont quand même voté le Rassemblement National et les macronistes ensemble à un projet de loi à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, que ce soit sur les questions économiques et sociales, où bien souvent ils votent les mêmes choses. Je vous donne un exemple, quand nous, à l'Assemblée nationale, nous proposons d'augmenter le SMIC, le Rassemblement national et les macronistes s'allient pour le refuser. Quand nous proposons de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune pour qu'on partage les richesses, le Rassemblement national et les macronistes s'allient pour le refuser. Pour vous, ces deux blocs n'en font qu'un ? Non, je ne dis pas qu'ils en font qu'un, mais je dis que sur les questions dont je suis en train de vous parler, ils défendent exactement les mêmes options. Et que si, au contraire, on veut pouvoir éclairer les Français sur le débat démocratique entre différentes options politiques, il faut que ce que nous défendons comme programme, la transition écologique, le partage de la richesse, la rénovation démocratique, puisse être présent autour de la table. Vous nous expliquez que toutes les listes doivent pouvoir s'exprimer, que le débat était d'une certaine manière confisqué. Et dans le même temps, vous faites un appel à une forme d'alliance avec les écologistes, c'est-à-dire qu'il y aurait une liste de moins et que pour voter écolo, vaut mieux voter insoumis. Non, l'alliance avec les écologistes, malheureusement, elle n'est plus possible. Les listes ont été déposées, donc c'est pas de ça dont nous parlons. Il y a eu clairement de Manon Aubry un appel ouvert. Non, mais attendez, je vais y répondre, mais ça se pose pas en termes d'alliance entre les différentes listes. Sur ce sujet, vous pouvez au moins, on en a déjà parlé, d'ailleurs je me rappelle sur ce plateau, reconnaître une certaine forme de cohérence de ma part. Depuis le début, je dis, il aurait été mieux qu'il y ait une liste commune de la NUPES, parce que ça aurait été plus efficace pour combattre l'extrême droite et les macronistes. Bref, les écologistes l'ont refusé. Je dis aujourd'hui qu'au vu des dynamiques qui sont à l'œuvre manifestement dans cette campagne, si vous voulez avoir une garantie d'avoir des eurodéputés écologistes au Parlement européen, il vaut mieux voter pour la liste de Manon Aubry que pour quelque autre liste que ce soit. Parce que vous savez qu'il faut faire plus de 5% pour avoir des eurodéputés élus au Parlement européen et que toutes les voix qui vont aller sur la liste de Manon Aubry, elles vont compter. Alors que sur les autres listes, il est possible que ces listes ne fassent pas 5%. Vous parlez d'une dynamique sur la liste de Manon Aubry, il n'y a aucune dynamique. Elle est reste scotchée à 7% ou à 6% dans les intentions de vote, dans les sondages. Non, et ce matin encore, il y a un sondage qui la met à 8%, vous voyez, donc ni à 7, elle ni est pas à 15. Ouais, elle est pas, non mais d'accord, mais il se passe rien depuis le début de la campagne. Je parle des dynamiques à l'œuvre dans la campagne et je vous dis qu'aucun sondage, puisque vous faites référence au sondage, même si on pourra y revenir si vous voulez, je pense que ces sondages se sont déjà lourdement trompés à la dernière élection présidentielle, mais en tout état de cause, puisque vous utilisez les sondages comme élément de référence, je dis qu'aucun sondage ne laisse entendre que les voix sur la liste de Manon Aubry pourraient être des voix qui ne servent à rien et qu'il y aura des eurodéputés de la France Insoumise et de l'Union Populaire au Parlement européen et que si on veut en avoir qui défendent la transition écologique, il vaut mieux voter pour la liste de Manon Aubry, tout simplement. Le soir du 9 juin, est-ce qu'il sera possible ou nécessaire d'additionner tous les votes, tous les députés de gauche, donc LFI, mais aussi le Parti communiste peut-être, M. Glucksmann, c'est un même bloc qui va se former néanmoins à travers ça? Mais les additionner pour faire quoi? Le bloc de gauche, je vous dis, il y a trois blocs aujourd'hui en France. Est-ce que le bloc de gauche, c'est M. Mélenchon qui utilise cette formule aussi, est-ce que le bloc de gauche, c'est de Glucksmann à LFI? Mais le problème aujourd'hui, c'était le tableau tel qu'il était issu des élections présidentielles et législatives. C'est la formule toute récente de Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, mais le problème aujourd'hui, c'est que vous avez un candidat, Raphaël Glucksmann en l'occurrence, qui tourne le dos à la NUPES. Quand Raphaël Glucksmann... Mais ça demeure un homme de gauche. Mais attendez, mais le sujet, mais moi je suis pas là pour dire un tel est de gauche ou pas de gauche, mais le sujet c'est de quoi, qu'est-ce qu'il défend comme orientation programmatique. Ce qui a rendu possible le rassemblement autour de la NUPES, c'est un programme clair,
Par exemple, dans ce programme, il y avait un engagement qui a été réitéré par l'ensemble des députés de la NUPES il y a moins d'un an, à la fin de la bataille sur la réforme des retraites, qui était de dire nous battons pour le retour à la retraite à 60 ans. Qu'est-ce que dit Raphaël Glucksmann dans cette élection européenne? Il dit je suis pas pour la retraite à 60 ans. Il dit c'est pas le combat que j'ai envie de mener. Manuel Bompard. Attendez. Quand moi, et dans le programme de la NUPES, il y avait l'idée que le mix énergétique devait aller vers la sortie du nucléaire. Qu'est-ce que dit Raphaël Glucksmann dans cette campagne? Il dit « je ne suis pas pour la sortie du nucléaire ». Quand nous avons des factures d'électricité qui ont augmenté de 30 ou 40% ces deux dernières années, et que se discute au niveau du Parlement européen un marché de l'électricité, et que nous disons « il faut sortir du marché européen de l'électricité », Monsieur Glucksmann dit « non, il faut rester à l'intérieur ». C'est les gauches irréconciliables, on est retour à la case départ là. Mais non, puisque... Ah si, c'est ce que vous nous décrivez, vous êtes d'accord sur rien. Je dis que d'un point de vue programmatique, Raphaël Glucksmann a tourné le dos au programme commun de la NUPES, tout simplement. Et je le documente en vous donnant un certain nombre d'exemples. Ça n'est pas l'arbre qui cache LFI, comme dit Madame Ayé. Enfin, Madame Ayé, il y a un mois, elle disait que 80% du temps, les macronistes et M. Glucksmann étaient d'accord. Donc là, c'est à elle qu'il faut demander pourquoi elle a dit ça il y a un mois, et aujourd'hui, elle dit que Raphaël Glucksmann, c'est la même chose que la France insoumise. Écoutez, franchement, c'est pas sérieux. Raphaël Glucksmann, c'est bien un arbre qui cache quelque chose, mais ce qu'il cache, c'est l'ensemble des éléphants du Parti Socialiste, c'est le retour de François Hollande, de Bernard Cazeneuve, de tous les gens qui sont plus loin sur la liste de Raphaël Glucksmann, qui ont soutenu Emmanuel Macron aux dernières élections municipales pour certains, sont des soutiens de l'autoroute à 69, pour donner un autre exemple, il y en aurait plein à donner. Manuel Bompard. J'ai compris qu'on était pressé par le temps. Voilà, Raphaël Glucksmann. Oui, parce qu'on a plein de sujets. La forêt des éléphants. On a plein de sujets et on revient dans un instant sur Europe 1 et sur CNews à tout. Tour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews avec le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. 48 heures après le départ du président de la République de Nouméa, ce dernier propose finalement un référendum, entre parenthèses comme Marine Le Pen, référendum national, notamment si les accords en cours venaient à échouer. Je suis prêt à y aller. À tout moment, dit-il, est-ce que c'est un revirement ? D'abord, je ne crois pas que ce soit le même référendum que celui proposé par Mme Le Pen, mais bon, tout ça me paraît... L'idée d'un référendum. Non, mais un référendum où il passerait en force, c'est-à-dire il demanderait l'avis de l'ensemble des Français sur le projet de loi tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est-à-dire le dégel du corps électoral. Bon, moi, depuis le début, je dis que le président de la République a mis le pays dans une situation extrêmement difficile et c'est de sa responsabilité. Il l'a fait déjà en passant en force sur le troisième référendum il y a quelques années, c'était en 2021, alors que déjà à l'époque, la partie indépendantiste disait que dans les circonstances particulières, il y avait eu le Covid, c'est un peu comme si en France, on avait dit qu'on allait faire voter à des élections à un moment où on était confiné. Bon, je pense que tout le monde aurait dit c'est peut-être pas le bon moment pour organiser ces élections-là. Mais donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Les indépendantistes avaient dit il faut pas tenir le troisième référendum maintenant. Il fallait être raisonnable, il fallait écouter et il fallait faire en sorte que ce troisième référendum soit organisé dans des conditions. Sur le principe du référendum, vous y êtes hostile par principe ? Non, mais attendez, je sais pas de quel référendum on parle. Là, je parlais du troisième référendum qui était prévu dans les accords de Nouméa. Je disais que Emmanuel Macron est déjà passé en force cette première fois. Ensuite, il est passé en force la deuxième fois sur la question du dégel du corps électoral, alors que tout le monde savait que ça allait mettre le feu aux poudres. Mais sur la proposition actuelle. Attendez, on y est. Ensuite, il nous dit qu'il se rend sur place et que vous allez voir ce que vous allez voir, tout va être réglé. Rien n'est réglé. La situation est toujours aussi difficile. Pourquoi ? Parce que la solution aujourd'hui, c'est que le président de la République retire le projet de loi constitutionnel sur le dégel du corps électoral et que les discussions puissent recommencer vers un accord global dans lequel il pourra y avoir éventuellement une nouvelle consultation si les différentes parties localement se mettent d'accord. Non, donc vous distinguez les différents référendums évoqués. Marine Le Pen dit un prochain référendum sur l'indépendance, on le comprend, d'ici 40 ans. Fabien Roussel, la semaine dernière, sur votre, à la même place, dit l'indépendance pour la Nouvelle-Calédonie, j'y suis globalement favorable. Partagez-vous ce point de vue transversal? Non mais attendez. La légitimité de l'indépendance, un, ou la nécessité de l'indépendance, deux? Attendez, trois. Premièrement, première question quand même, sujet, parce que moi je veux bien répondre à vos questions, j'ai pas de problème. Mais Marine Le Pen, elle est maintenant pour un quatrième référendum, alors qu'il y a deux ans, elle disait que le troisième référendum devait être ferme et définitif. Dans un processus long. Non mais d'accord, mais à un moment, il faut aussi que les gens arrêtent de changer d'avis toutes les deux minutes. Le Rassemblement National a voté à l'Assemblée Nationale en faveur du projet de loi sur le dégel du corps électoral,
et le lendemain nous a expliqué que c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc si c'est pas ce qu'il fallait faire, fallait pas voter pour. Donc à un moment, faut être un peu cohérent et clair. Maintenant, moi, je vais venir sur ma position. Ma position, c'est pas de prendre position sur la question de l'indépendance ou pas. Ma position, c'est de dire qu'il doit y avoir un processus démocratique dans l'esprit des accords de Matignon et de Nouméa, c'est-à-dire qui s'organise sur la base du consensus entre les différentes parties et qui permettent de trouver un chemin vers l'émancipation. L'émancipation, ça peut être l'indépendance si c'est le choix qui est fait localement à l'occasion d'une des consultations. Ça peut être un autre chemin. Encore une fois, c'est pas à moi de le décider. L'émancipation, c'est aux populations locales de le décider. Situation... L'émancipation, c'est le terme qui est utilisé dans les accords de Nouméa. Ouais. Est-ce qu'on est aujourd'hui en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, dans une situation coloniale, un processus de décolonisation? Bien sûr. Bah, écoutez, ça c'est l'histoire. La Nouvelle-Calédonie a été une colonie de peuplement. Il y a eu un peuple premier, et puis il y a d'autres populations qui sont arrivées ensuite. Donc, et le choix qui a été fait, c'est d'engager un processus de décolonisation. Ça, c'est une évidence. À l'indépendance, si vous êtes cohérent, si on est. Ça doit aboutir à l'émancipation. C'est le terme, encore une fois, qui sont utilisés dans les accords de Nouméa. Et l'émancipation, ça peut être l'indépendance. Mais vous-même, Manuel Bompard, quelle différence sémantique faites-vous entre ces deux termes? Mais en fait, le problème, si vous voulez, c'est que c'est pas... Parce qu'il y a l'interprétation derrière. Oui. Mais bien sûr, mais vous comprenez... Vous trouvez bien tendre, là. Mais non, je suis pas du tout tendre, mais je pense qu'on parle de... Il faut quand même se rappeler dans quel contexte on est en train de parler. On parle d'un sujet qui est extrêmement sensible. Et moi, je veux avoir que des paroles qui permettent de renouer, de retisser du lien pour qu'il y ait un chemin qui soit un chemin commun pour tout le monde. Et pas que ça se termine par une guerre civile. Et hier encore, des indépendantistes disaient qu'ils étaient sous occupation, vous vous rendez compte? Mais c'est normal qu'ils le pensent. Non, c'est des indépendantistes, donc à partir de ce moment-là, eux, ils veulent l'indépendance. Est-ce que vivre ensemble est encore possible en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie? Bah oui, si on retrouve l'esprit, ça a été une construction qui a été une construction difficile, les accords de Nouméa et de Matignon dans les années 80, quand on y a abouti, quand on y est arrivé, ça a été des trésors de diplomatie et de négociation, et ça a été parce qu'il y a eu un leader indépendantiste en particulier à l'époque, Monsieur Tshibau, qui a fait preuve d'un courage qui était un courage extraordinaire et exemplaire. Donc, je pense que c'est totalement fou d'avoir détruit tout ça par l'entêtement du président de la République et de son passage en force. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'il va aller sur place et que tout va être réglé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sont plusieurs depuis le début des violences, c'est-à-dire, dans votre camp notamment, ces violences, nous les condamnons évidemment, mais nous les comprenons. À tout le monde, nous comprenons l'explosion. Vous êtes dans une position semblable? Mais bien évidemment que personne ne souhaite qu'il y ait des violences. Mais à un moment, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'a produit cette situation? Elles étaient évitables, les violences? Mais bien sûr qu'elles étaient évitables. Bien évidemment qu'elles étaient évitables. Il suffisait d'écouter nos alertes et donc, à nous et donc ne rien des faire. Années et des années. Et donc ne rien faire. Mais non, pas ne rien faire. Mais on peut pas ne rien faire. Il y a un accord. Attendez, il faut savoir de quoi on parle. Il y a des accords de Nouméa. Les accords de Nouméa, ils prévoyaient 3 référendums. Déjà, le 3e référendum, je l'ai dit, il ne fallait pas passer en force. Et ensuite, les accords de Nouméa, ils disent nos accords sont en vigueur tant qu'il n'y a pas un nouvel accord global qui les remplace. Donc, laisser les parties prenantes discuter. Ben voilà, et faire en sorte que ça aboutisse sur un nouvel accord global. Du corps électoral jusqu'à peut-être des années, des décennies. Mais pas du tout, parce que si vous écoutez avec attention ce que disent, y compris la partie indépendantiste, elle dit qu'elle n'était pas, elle n'est pas hostile à une évolution du corps électoral, mais à partir du moment où ça s'inscrit dans un accord global. Pourquoi on a fait le corps électoral? Pourquoi on a fait le gel du corps électoral? J'entends des gens aujourd'hui me dire oui, c'est pas démocratique, etc. Mais si on parle de dégel du corps électoral, c'est bien parce qu'à un moment, on a décidé du gel du corps électoral. Et à l'époque, ça s'est fait avec l'accord de toutes les familles politiques qui ont dit, puisqu'il faut qu'on trouve un chemin commun, eh ben, il va y avoir différents référendums, et puis on va faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans le corps électoral pour que le peuple premier soit respecté dans ses droits. Voilà la logique qui a été celle qui a présidé au gel du corps électoral. Donc il faut pas démonter toute cette logique comme ça d'un coup d'un seul. Il faut discuter, il faut faire évoluer les choses patiemment et au consensus. Stéphane Dupont a rappelé que Fabien Roussel parlait ici même à votre place la semaine dernière d'une solution d'indépendance avec une sorte de protectorat français, même s'il n'aimait pas ce terme. On peut pas renier le fait que la Calédonie est visée de près par deux pays, notamment la Chine et l'Azerbaïdjan. Et quand on regarde deux députés ultramarins NUPES, Marcelin Nadeau pour la Martinique et Jean-Victor Castor pour la Guyane, qui se sont rendus en Azerbaïdjan, ils ont tous deux été fortement soutenus par la France insoumise en 2022 et sont allés récemment dénoncer le colonialisme à Bakou, ce pays qui dénonce le colonialisme français. Est-ce que ces deux personnes sont vos alliés, Manuel Bompard? D'abord, vous devriez préciser, puisque vous disiez que vous aviez Fabien Roussel, qui siège au sein du groupe communiste, pas au groupe insoumis. Bien sûr, mais je pense que les auditeurs le savent. En train de parler. Maintenant, que les choses soient très claires, moi, voilà ma position.
Je n'ai aucune sympathie avec le régime d'Azerbaïdjan, que je combats. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de mes collègues députés étaient en Arménie il y a quelques semaines de ça, ont rencontré le président de la République et ont exprimé tout notre soutien vis-à-vis de la population arménienne qui a été confrontée et qui est encore confrontée à des agressions de l'Azerbaïdjan qui sont insupportables. Maintenant, si vous voulez savoir qui, dans la famille politique française et européenne, sont les principaux alliés du régime de l'Azerbaïdjan aujourd'hui, vous devriez regarder, par exemple, ce qu'il se passe quand il y a des accords gaziers qui sont négociés au niveau européen avec l'Azerbaïdjan, à l'initiative de Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, soutenue par les macronistes, soutenue par les socialistes, soutenue par la droite, des accords gaziers qui sont défendus par Madame Meloni, hein, la grande amie de Madame Le Pen et de Monsieur Zemmour. C'est eux qui, au Parlement européen, soutiennent ceux qui font des accords sur le gaz avec l'Azerbaïdjan. Donc je pense que c'est plutôt vis-à-vis d'eux qu'il faut regarder. Parce qu'en ce qui nous concerne, on n'a aucune sympathie. Sur la Nouvelle-Calédonie. On n'a aucune sympathie avec le régime d'Azerbaïdjan. Alors, vous noterez que la Chine a des ambitions sur la Nouvelle-Calédonie. Bien L'Azerbaïdjan sûr. Cherche à activer des passions là-bas. Est-ce que vous diriez que si la France en venait à consentir à l'indépendance pour la Nouvelle-Calédonie, inévitablement, le pays tomberait sous la coupe chinoise ou Mais non, mais bon, qu'il y ait des tentatives de déstabilisation qui soient menées par d'autres puissances vis-à-vis de la France, c'est un état de fait. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des tentatives de déstabilisation et ça ne vise pas que la France. Mais une fois qu'on a dit ça, vouloir en quelque sorte essayer d'expliquer que les partisans de l'indépendance en Nouvelle-Calédonie ne seraient que les bras armés de puissances extérieures pour déstabiliser notre pays, c'est pas raisonnable. Parce qu'il y a des gens qui défendent l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, qui se battent sur ce sujet depuis des années et des années, et qui le font sans aucune influence extérieure, mais c'est parce que c'est ce qu'ils pensent qui est bien pour leur peuple, pour leur culture, etc. Donc il faut respecter ça. Pour le reste, c'est pas à nous, puisque vous m'interrogez sur un éventuel protectorat, si c'est le chemin de l'indépendance qui est choisi, donc dans ce cas-là, ce pays deviendra indépendant. Dans ce cas, il décidera lui-même de ses alliances, c'est pas à moi de le décider à sa place. Mais est-ce qu'il y a quelque chose pour la Nouvelle-Calédonie? C'est-à-dire que les Kanaks, majoritairement, très majoritairement, sont pour l'indépendance, les Caldoches, c'est pas le cas, donc est-ce qu'il n'y a pas deux groupes qui finalement ne peuvent pas se réconcilier sur cette question? Justement, parce qu'il y a une majorité dans chacun, mais il n'y a pas de majorité au total. Réponse en 10 secondes, Manuel. Ouais, ben justement, Mathieu Bocoté, précisément, c'était tout ça le génie des accords de Nouméa. C'est que malgré cette situation, on avait réussi à trouver un chemin commun. Donc il faut, et je m'arrête là, reprendre l'esprit des accords de Nouméa, revenir dans cet état d'esprit-là, et certainement pas dans le passage en force. Et le principe des accords de Nouméa, c'est que l'État doit rester impartial. Impartial, c'est ça le principe des accords de Nouméa. Donc je l'appelle à revenir à cette situation d'impartialité. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, invité du grand rendez-vous. On revient dans un instant avec une actualité chargée, notamment sur l'assurance chômage. A tout de suite sur Europe 1 ici. Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews avec le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Gabriel Attal a dévoilé les contours de la réforme de l'assurance chômage. Il faudra désormais travailler 8 mois sur 20 mois au lieu de 6 mois sur 24 mois. Le Premier ministre assure que c'est le seul moyen d'atteindre le plein emploi. Est-ce qu'il a raison ? Non. Non, d'abord parce que une réforme de même nature a déjà été faite en 2019. Et d'ailleurs, dans ce même interview, Gabriel Attal dit que cette réforme a montré ses résultats. C'est pas vrai. Il y a un rapport de la DARES qui a été fait sur la conséquence en matière d'emploi de la réforme de 2019 sur l'assurance chômage. On parle de 20 000 créations d'emplois. Il y a 350 000 emplois non pourvus en France et il y a plus de 5 millions de personnes qui sont en recherche d'emploi. C'est pas la bonne solution. Alors. Mais bien évidemment. Donc comment le... Non mais quand même, première question, comment le Premier ministre peut nous dire ça a montré ses résultats alors que les rapports DARES, c'est le ministère du Travail, c'est les services du gouvernement. Il y a plusieurs études qui disent pas tout à fait la même chose. Non, si. C'est exactement le rapport de la DARES, tout le monde pourra le vérifier. Deuxièmement, il faut dire la vérité. La vérité, c'est que Gabriel Attal veut mettre la main sur la caisse de l'UNEDIC qui est excédentaire. La caisse de la réforme de l'assurance chômage aujourd'hui, elle est excédentaire. Il y avait déjà y a pas de problème de déficit. Plusieurs dizaines de milliards de dettes, faut quand même le rappeler. Elle est aujourd'hui excédentaire. Qu'est-ce que veut faire M. Attal? C'est pas du tout en matière d'emploi, en fait. Il veut venir piquer de l'argent sur les cotisations pour venir abonder les problèmes de déficit de l'État. Voilà la réalité, de mon point de vue, la véritable intention qu'il y a derrière cette réforme. Sauf que cette réforme, elle va avoir une conséquence extrêmement claire. Il va falloir refaire les calculs sur la base des dernières annonces de Gabriel Attal ce matin, mais c'est sans doute
à peu près 30% des personnes qui ont droit à une indemnité chômage aujourd'hui, qui vont voir leur indemnité baisser. Ce que dit Gabriel Attal dans l'interview, c'est qu'il dit on revient à ce qui se pratique dans les pays voisins, les grands pays européens. Mais ce n'est pas parce que les autres font des erreurs qu'il faut faire la même chose qu'eux. Ah bah, s'ils sont en majorité dans l'Europe, c'est peut-être qu'ils ont raison. Et des pays où il y a le plein emploi, pour le coup. Mais d'accord, mais la question qui nous est posée, premièrement, d'abord, c'est est-ce que c'est efficace ? Deuxièmement, est-ce que c'est juste ? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, une réforme comme celle que propose Gabriel Attal, c'est une réforme qui va donc baisser les indemnités au chômage, en particulier des gens qui sont les plus éloignés de l'emploi. Or, c'est les gens pour qui il y a le plus de difficultés à retourner à l'emploi et c'est les gens qui sont dans des situations de précarité les plus importantes. Vous allez aggraver encore leurs difficultés sociales et ça ne se traduira pas par des emplois en plus. Donc la question qui nous est posée, c'est comment on fait ? Comment on fait pour faire en sorte, puisqu'on veut aller retourner vers le plein emploi ? Comment on fait ? Ben on crée de l'emploi par une politique de relance de l'activité économique et certainement pas par une politique d'austérité budgétaire. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, 10 milliards de coûts budgétaires. Vous trouvez que la France dans une situation d'austérité budgétaire ? Quand on est en train de dire avec qu'on va un couper... déficit de 5% et... L'un n'empêche pas l'autre, malheureusement. Et je vais même vous dire, l'un produit souvent l'autre. C'est-à-dire que les politiques d'austérité budgétaire, en fait, elles contractent l'activité économique et elles se traduisent par des augmentations de déficit. Mais vous pouvez me dire qu'il n'y a pas d'austérité aujourd'hui. Mais quand le gouvernement dit qu'il va prendre 10 milliards dans les dépenses publiques et que l'année prochaine, il va en prendre 20, excusez-moi, ça s'appelle de l'austérité budgétaire. Mais Manuel Bompard, sur le fond des choses, la dette est un problème, selon vous, la dette publique, c'est un problème ? Mais ça dépend laquelle. L'ampleur de la dette publique aujourd'hui, là. On n'est pas dans une dette publique. Sur les 110% du PIB. Ouais, je pense que c'est... puisque vous voulez qu'on prenne des comparaisons avec d'autres pays, vous savez qu'il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus lourdement endettés. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a plus que la Grèce et l'Italie. Donc, qui sont beaucoup plus lourdement... L'Allemagne, c'est 60% du PIB. Nous, c'est 110. En Europe, aujourd'hui. Non, mais attendez. Parlons franchement, d'accord. Je vous dis, je ne suis pas d'accord avec le côté... On n'arrête pas de parler franchement depuis le début de cette émission, Je ne suis pas d'accord avec le côté « Ah, vous voyez la dette, mon Dieu, on va plus s'en sortir, etc. » Pour autant, je pense qu'il y a une partie de cette dette qui est illégitime et qu'il faudrait annuler. Et j'ai fait cette proposition-là de multiples reprises. La partie de la dette qui a été contractée pendant le Covid, cette partie-là, qui est essentiellement détenue dans les coffres de la Banque Centrale Européenne, ça coûte quoi de l'annuler ? Ça coûte rien. L'annuler, ça ne veut pas dire que vous allez flouer ceux qui vous ont prêté. Mais ça veut dire que vous allez les laisser dans les coffres de la Banque Centrale Européenne, que vous n'allez pas la toucher et qu'avec l'inflation, cette dette-là, elle va fondre. Voilà, déjà, si on faisait ça, on se donnerait un petit peu d'air pour respirer. Et sur le déficit, c'est pareil, il faut se donner Mais le déficit, vous savez très bien, comme moi, que ce qui a produit le déficit dans lequel on est aujourd'hui, c'est que depuis 2017, sous Emmanuel Macron, l'État a renoncé entre 40 et 50 milliards d'euros par an de recettes publiques. Parce qu'on a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, parce qu'on a fait des grands cadeaux aux grandes entreprises en matière fiscale alors que ça n'a produit aucun résultat en termes de création d'emplois et que la situation du déficit, elle est de la responsabilité d'Emmanuel Macron et de ses choix économiques. La solution, c'est d'augmenter de nouveau les impôts. Mais c'est pas augmenter les impôts. Faut arrêter. Ça, c'est toujours la même logique, c'est celle de Bruno Le Maire quand vous lui dites, je propose de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Il dit, vous voulez augmenter les impôts. Bah, c'est un impôt. D'accord. Monsieur de la Palice, c'est un impôt. Vous êtes de mauvaise foi. Parce que les gens qui nous écoutent, il y a personne qui paye l'impôt de solidarité. Solidarité sur la fortune. Et quand vous leur dites vous voulez augmenter les impôts, vous voulez leur faire croire qu'on va aller leur prendre à eux. Alors que quand je propose de rétablir l'impôt de solidarité mais sur la fortune, il n'y en a pas un d'eux qui va payer plus, ils vont même payer moins. Il n'y a pas que les super, méga, giga riches qui se plaignent d'être trop taxés ou trop imposés en France. C'est vrai. C'est un discours commun du commun des mortels. Vous avez raison. Mais voilà, donc ces gens-là ressentent aussi. Mais Mathieu Bocoté, est-ce que vous avez regardé notre réforme fiscale, celle que nous proposons ? Je reviens sur la question qui me semble importante. Est-ce que le commun des mortels ressent aujourd'hui une pression fiscale exagérée ? Non, mais aujourd'hui, on a un problème de justice fiscale, parce qu'aujourd'hui, vous avez une situation dans laquelle là, les 1% des plus riches, et encore plus les 0,1% des plus riches, ne payent pas des impôts en proportion de leurs revenus, alors que quand vous êtes dans les classes moyennes, vous payez des impôts en proportion de leurs revenus. Fiscalement des classes moyennes, selon vous. Il faudrait avoir une réforme fiscale qui concentre l'effort
fiscale sur ceux qui en ont les moyens. La proposition de réforme fiscale que nous avons faite, il y a même un simulateur sur Internet où chacun peut faire la comparaison. Ça produisait que 93% des Français allaient payer moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Attendez, et on générait 10 milliards d'euros de ressources supplémentaires pour l'État. Et oui, on augmentait les impôts de 7% de la population qui sont les 7% les plus riches. Et j'assume de dire que oui, les 7%, ils ont les moyens de payer plus d'impôts et que les 93%, ils paieront moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Mais l'impôt sur le revenu est déjà payé aujourd'hui par 10% des Français, la grande majorité. Plus de 60%. Il y a un petit écart entre les deux chiffres que vous venez de donner. Vous êtes d'accord, 10 et 60, c'est pas tout à fait pareil. Donc, ces gens-là, ce que vous voulez, c'est taxer encore les classes moyennes. Mais pas du tout. Je propose le problème de l'impôt sur le revenu aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas suffisamment progressif, qu'il faut mettre plus de tranches. Nous proposons 14 tranches pour faire en sorte que précisément vous payiez des impôts relativement à vos ressources. C'est pas normal que ça soit ceux qui sont dans les premières tranches aujourd'hui qui payent l'essentiel de l'impôt sur le revenu et qu'après il y a une dernière tranche qui ne soit pas à un niveau suffisamment haut. Revenu aujourd'hui, les gens qui sont au SMIC paient plus d'un. Ça, c'est vrai, mais c'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Pourquoi vous voulez toujours faire payer les pauvres? Moi, je veux faire payer les plus riches. Vous comprenez? Ils payent pas assez d'impôts. Il faut qu'ils en payent plus. Le mantra de LFI, si je ne m'abuse, c'est de faire payer les plus riches. C'est-à-dire que vous voulez d'abord taxer. Avant, est-ce que vous voulez pas trouver de l'argent? Emmanuel Macron, lui, dit voilà, regardez, j'ai fait deux séries d'économies encore dernièrement de 10 milliards d'euros chacune. Est-ce qu'il n'y a pas Mais franchement, avant de vous énerver, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut trouver de l'argent faire des économies? Mais augmenter la participation au budget de l'État des plus riches, c'est une manière de trouver de l'argent. Je ne sais pas pourquoi vous opposez les deux. Ah, moi, je n'oppose rien du tout. Mais maintenant, vous dites que vous voulez taxer les plus riches. Mais je ne dis pas que ça. Mais je dis oui, en particulier que c'est... Vous nous faites croire qu'en rétablissant l'impôt de solidarité sur la fortune qui va rapporter 2, 3 ou milliards, on va régler tous les problèmes. Mais vous avez quand même écouté ce que j'ai dit ou pas? Parce que je vous ai parlé d'une réforme fiscale là, sur l'impôt sur le revenu. Je ne vous ai pas parlé que de l'ISF. Et ensuite, je vous ai parlé du problème majeur qui est posé par le fait qu'aujourd'hui, on a multiplié les cadeaux fiscaux, les niches fiscales aux grandes multinationales. Et que ça n'a produit aucun résultat en termes de création d'emplois. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'argent à récupérer sur ce sujet. Pour le reste, puisque vous étiez en train de me parler, des propositions qui sont faites par Emmanuel Macron et son gouvernement des 10 milliards d'économies. Mais sur quoi ils sont pris, ces 10 milliards d'économies? Sur le budget de la transition écologique, c'est le premier budget impacté. En particulier la rénovation thermique des logements. Mais on n'a pas besoin d'investir dans la rénovation thermique des logements aujourd'hui. Bien sûr que si, qu'on a besoin d'investir. Il dit en même temps qu'on a décarboné trop vite avant d'investir. Les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pensez qu'ils croient qu'on dépense trop d'argent pour nos services publics aujourd'hui, quand vous voyez la situation de l'hôpital public, quand vous voyez la situation des urgences, quand vous voyez la situation de l'école publique? Certains vous objecteraient peut-être qu'il y a une dépense publique exagérée dans la bureaucratie, une lourdeur bureaucratique. Pour vous, c'est un faux argument? Mais c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème aujourd'hui, c'est qu'on dépense pas suffisamment pour nos services publics. Mais bien sûr. Donc il faut augmenter la dépense publique. En matière de politique de santé, en matière d'éducation nationale, oui, bien sûr qu'il faut augmenter la dépense publique. Mais il y a des dépenses protégées de toute façon. Peut-être qu'il faut la réduire ailleurs. Par exemple, dans les cadeaux fiscaux qu'on fait aux grandes entreprises sans aucune contrepartie. Je vous ai déjà répondu 3 fois à la question, mais je veux bien le dire une 4e fois, ça ne me dérange pas. Oui, bien sûr, là, il faut aller chercher l'argent. J'ai bien compris que c'est pas vos choix économiques. Mais je prends à partie les gens qui nous écoutent. Est-ce que vous trouvez qu'on dépense trop d'argent dans notre système de santé? Quand vous devez aller aux urgences et que vous êtes obligé d'attendre pendant 12 heures, qu'on est obligé de fermer des urgences la nuit dans la 4e, la 5e ou la 6e puissance économique du monde, ça dépend quel chiffre on prend. Vous trouvez ça normal, franchement? Quelle honte! On est en France. En France, on a un service public de santé qui doit fonctionner. On doit avoir des urgences qui sont ouvertes, pas qui sont fermées la nuit. Les 10 milliards dont vous parliez, il n'y a pas de coupe dans les dépenses pour les hôpitaux ou dans les dépenses de santé. Mais il y en a dans le budget de la transition écologique, il y en a dans le budget de l'éducation nationale, et en matière de santé, il y en a peut-être pas qu'on enlève, mais il y en a pas qu'on rajoute. Emmanuel Bompard est l'invité du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews. On revient dans un instant. Dernière partie du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews avec Emmanuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Le débat sur la fin de vie arrive à l'Assemblée nationale demain. On vous a pas beaucoup entendu sur ce sujet. Est-ce que vous avez un dogme sur la fin de vie? Un dogme, non. Une opinion, oui. Notre opinion, on l'a défendue à plusieurs reprises, notamment dans les campagnes présidentielles de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que nous considérons que c'est un droit, une liberté qu'il faut effectivement accorder, celui de pouvoir choisir librement sa fin de vie. Je précise parce que je sais que c'est un sujet qui peut renvoyer parfois à des considérations éthiques, intimes, qu'il s'agit d'ouvrir une liberté et certainement pas d'imposer une obligation.
C'est-à-dire que personne qui ne voudrait pas avoir droit au recours au droit à choisir sa fin de vie ne serait contraint de le faire. Il s'agit juste de dire que ceux qui souhaitent le faire... Est-ce que le texte gouvernemental répond à cette demande, selon vous ? Je pense qu'il va dans le bon sens, dans la bonne direction. Vous disiez, le débat arrive demain à l'Assemblée nationale. C'est vrai, en hémicycle, mais il est en séance, en commission. Vous avez remarqué plusieurs réserves qui entouraient le projet de loi sont tombées en l'espace de quelques jours. Moi, j'étais plutôt favorable à le faire évoluer, à aller un petit peu plus loin que la proposition qui est celle du gouvernement. Je vous donne un exemple, par exemple. Dans la formulation qui était celle utilisée par le gouvernement, des situations qui sont dues à des causes accidentelles étaient exclues. Ça ne concernait par exemple que des cas de maladie. Or, un certain nombre d'exemples qui ont été très médiatisés ces dernières années de personnes qui demandaient de pouvoir décider de leur mort étaient parfois dus à des gens qui avaient eu des accidents. Et que, par exemple, le fait de modifier la formulation pour que les causes accidentelles soient incluses dans les causes dans lesquelles, qui peuvent donner droit au recours à la fin de vie, me paraît une évolution qui est souhaitable et positive. Oui, parce que Gabriel Attal, ce matin, dans l'interview dans la Tribune Dimanche, dit qu'il veut revenir au texte d'origine. Il trouve que les évolutions qui ont eu lieu dans les débats en commission ont fait bouger un peu l'équilibre du texte. C'est pas mon point de vue. Je pense au contraire que c'est vrai que ça a fait bouger le texte, mais ça, pour moi, l'a fait bouger dans la bonne direction. Encore une fois, je vous ai donné un exemple. Sur cet exemple, je pense que ce serait une erreur de revenir en arrière. Mais vous remarquerez, la France arrive dans ce débat alors qu'il y a déjà eu lieu dans plusieurs pays. Je pense à la Belgique, au Canada, et ainsi de suite. Or, il y a la question des soins de fin de vie. Les soins palliatifs. Pas seulement les soins, c'est-à-dire les derniers jours. Donc, il y a le critère souvent utilisé, c'est une maladie incurable avec des souffrances immenses. Mais on a vu dans plusieurs pays tout ça dériver, et quelquefois, c'est simplement le malheur existentiel le plus grand, la douleur, la volonté d'en finir. On pense à la Belgique ici. Pour vous, est-ce qu'il y a des dérives liées à la soins? Est-ce qu'il faut cadrer tout ça? Mais bien sûr qu'il faut le cadrer. Ça me paraît être une évidence. Et d'ailleurs, c'est pourquoi. Je pose la question, est-ce qu'il y a des dérives? Regardez ce que dans les autres pays. Au Canada, en Belgique, et ainsi de suite, voyez-vous des dérives? Je ne sais pas, je ne le crois pas, mais si vous avez des exemples concrets... Par exemple, quelqu'un dirait par dépression. Je suis une situation de dépression, je ne suis pas à la veille de mourir, mais je suis à ce point dépressif que je suis pas là. Je ne suis pas là pour commenter la politique des autres pays. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, puisque c'est de ça dont on est en train de parler, dans le débat national, il faut faire en sorte que la formulation du texte de loi permette de cadrer les choses. Et j'ai précisé dans quel type de configuration j'y étais favorable, c'est-à-dire quand il y a une maladie qui a des souffrances, qui sont des souffrances insupportables et que la personne décide psychique ou physique faire ce choix. Non, mais tout ça est cadré. C'est une maladie avec des souffrances particulières. Et j'ai ajouté que j'étais favorable aussi au fait que ça couvre les cas accidentels. Voilà, ça me paraît être assez clair comme réponse. Est-ce qu'il y aura la liberté de vote sur ce texte au sein du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée comme dans les autres groupes politiques? Écoutez, généralement, sur ce type de sujet, c'est toujours des sujets sur lesquels il n'y a pas une décision qui s'impose à tous. Mais à ma connaissance aujourd'hui, mais après, on va voir dans le débat à l'hémicycle en fonction des évolutions dans la loi, je crois que le groupe Insoumis est le groupe uni sur ce sujet qui est favorable au fait d'ouvrir ce droit. Je précise une dernière fois que c'est un droit, pas une obligation, et qui ne s'imposera à personne. Manuel Bompard, la politique étrangère de la France, elle a été résumée au Sénat par le sénateur Carucci. La France qui salue le rôle de la CPI, l'ambassadeur de France en Iran qui présente ses condoléances au boucher de Téhéran, monsieur Carucci, qui demande qu'on dise non à l'obscurantisme. Êtes-vous d'accord avec lui? C'est lui l'obscurantisme dans cette histoire, parce que, pardonnez-moi, s'il est en train d'expliquer que le fait que la France reconnaissent l'indépendance de la Cour pénale internationale, c'est de l'obscurantisme, j'ai envie de lui dire, faites attention, monsieur Carucci, parce que, précisément, la Cour pénale internationale, c'est un des plus grands acquis au cours du XXe siècle du droit international, et que, quand on est opposé à l'obscurantisme, on doit défendre de manière incroyablement forte le droit international, parce que c'est l'existence du droit international, c'est l'existence de tribunaux internationaux. Même quand le procureur fait un parallèle entre une démocratie et un mouvement terroriste. Attendez, c'est précisément le droit international qui permet que ça soit pas la loi du plus fort entre les puissances au niveau international. Et d'ailleurs, la Cour pénale internationale a été votée en France, en congrès, l'inscription dans la Constitution, c'était en 1999. Et l'ensemble quasiment des députés et des sénateurs de droite à l'époque ont voté pour. Donc je suis atterré de voir la droite reculer comme ça sur ce sujet. Pour le reste, vous venez de dire, même quand le procureur tire un trait d'équivalence... En 2024 et non plus en 99. Mais personne n'a tiré de trait d'équivalence. Qui a dit que le Hamas et l'État d'Israël étaient la même chose? C'est ridicule, tout le monde sait que c'est pas la même chose, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir, est-ce qu'on peut reprocher à l'un et à l'autre des faits qu'on peut caractériser de crime de guerre? Et ce que dit le procureur, il dit que vis-à-vis du Hamas, il a un certain nombre de chefs
d'accusations qui, de son point de vue, s'apparentent à des crimes de guerre, et je suis d'accord avec lui, et que du point de vue de M. Netanyahou et de M. Gallant, qui sont les dirigeants israéliens, il y a un certain nombre de chefs d'accusation qui s'apparentent à des crimes de guerre, et je suis d'accord avec lui. Et je veux dire que depuis le premier jour, nous disons, nous les insoumis, que précisément il faut utiliser le langage du droit international, et c'est pourquoi nous avons parlé de crimes de guerre à propos des actions qui ont été commises par le 7 octobre par le Hamas. Et aujourd'hui, je vois que le droit international nous donne raison. Et j'aimerais que ceux qui ont essayé de nous donner des leçons depuis 6 mois, en expliquant que, en disant ça, en quelque sorte, on aurait excusé les horribles attentats du Hamas. Vous ne les excusez pas. Mais bien évidemment qu'on ne les a jamais excusés. Donc, parce que si on les excuse. De ne pas les avoir qualifiés, de ne pas avoir qualifié le Hamas. Précisément, je suis en train de vous dire qu'on a précisément utilisé la catégorie de crime de guerre pour que la Cour pénale internationale puisse s'en saisir. C'est le cas aujourd'hui, je m'en satisfais. Sur un registre semblable, 3 États ont reconnu cette semaine, l'État palestinien. Sauf qu'on ne sait pas exactement quelles sont ses frontières, quel est le gouvernement, quel sera le régime. Donc, est-ce que vous êtes favorable à ce que la France reconnaisse bien elle-même sûr. Mais quel État palestinien alors? Mais pour l'instant, c'est une reconnaissance symbolique. C'est que l'autorité palestinienne puisse être reconnue comme un État à part entière. Les frontières, elles sont définies par le droit international. L'autorité palestinienne, mais pas la masse. Non, mais les frontières de l'État palestinien sont définies aujourd'hui par le droit international, par des résolutions de 1967. Il y a une autorité palestinienne qui est reconnue aujourd'hui, celle qui dirige la Palestine. Donc je pense que cette autorité... Pas la bande de Gaza. Non mais d'accord, mais qu'ensuite il y ait eu une forme de sédition, très bien, mais dans le droit international, aujourd'hui c'est l'autorité palestinienne qui gouverne sur l'ensemble du territoire de la Palestine. Quelle est la portée de cette reconnaissance ? C'est une manière d'accélérer la solution à 2 États ? Bien sûr, elle a une dimension symbolique extrêmement forte. Et là, il y a quand même un problème de cohérence du point de vue de la position française. Puisque quand il y a eu un vote aux Nations Unies sur la reconnaissance de l'État de Palestine, la France a voté pour, et je m'en satisfais. Mmh. Et pourquoi, dans ce cas-là, on ne décide pas au niveau national de procéder à cette reconnaissance ? Donc, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que la France doit s'aligner tout d'un coup ? Parce qu'il y a 3 États qui, aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas 3 États, monsieur. Il y a une majorité d'États dans le monde qui reconnaissent l'État palestinien. Mais là, ces 3 États européens, Stéphane Séjourné a dit qu'il n'y avait pas de tabou là-dessus. C'est juste que ça n'était pas le moment. Est-ce que le préalable, ce n'est pas la libération des otages israéliens aux mains du Hamas ? Mais ce n'est pas le Hamas qui dirige l'autorité palestinienne aujourd'hui. Donc vous pouvez il dirige une partie du territoire. Non, mais d'accord, mais ce n'est pas l'autorité palestinienne qui détient des otages, vous en êtes d'accord. Donc je veux dire, c'est absurde de faire le lien entre ces deux points. Maintenant, si vous voulez qu'on parle des otages, parlons-en. À quel moment, parce que j'entends beaucoup de choses sur ce sujet. J'entends, oui, on ne peut pas faire de cessez-le-feu pour une libération des otages. Mais précisément, à quel moment y a-t-il eu la plus grosse libération d'otages depuis le 7 octobre ? À quel moment ? Quand il y a eu une trêve, avec une négociation. Et il y a eu plus de 100 otages qui ont été libérés à ce moment-là. Et précisément, si vous voulez obtenir la libération des otages et la fin de la souffrance de la population palestinienne à Gaza, la seule solution, c'est le cessez-le-feu et un accord. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi, Manuel Bompard, qui le demande. Il y a des manifestations monstres, y compris en Israël, qui disent à M. Netanyahou, arrêtez, il faut un accord, il faut une négociation. Donc c'est ça le seul chemin possible. D'abord parce que ça permettrait de mettre un terme aux souffrances de la population civile palestinienne qui est frappée de manière inacceptable et insupportable. Vous comprenez le raisonnement des sceptiques qui disent le 7 octobre, les attentats, quelques mois plus tard, la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais moi, je suis favorable à la reconnaissance de l'État de Palestine depuis des années et des années. J'entends bien, mais vous comprenez que le contexte actuel, ça peut laisser croire que le terrorisme obtient des résultats politiques. Mais précisément pas. Parce que si vous reconnaissez l'État de Palestine, vous allez donner de la légitimité à l'autorité palestinienne. Et donc, précisément pas au Hamas. Parce qu'à un moment, c'est l'hypocrisie de cette discussion. Qui a misé sur le Hamas depuis des années et des années pour affaiblir l'autorité palestinienne ? C'est M. Netanyahou. Tout le monde le sait, c'est documenté. Qui disait pour Israël, l'autorité palestinienne est un fléau et le Hamas est une chance ? C'est M. Smotrich qui gouverne, qui participe aujourd'hui du gouvernement de M. Netanyahou. L'autorité palestinienne, mais aujourd'hui, elle est extrêmement affaiblie. Donc, il faut lui donner de la force. Corrompue, donc même les Palestiniens n'en veulent plus. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut obtenir un cessez-le-feu, première chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement moi qui le demande. Oui, mais il faut éradiquer le Hamas. Vous n'éradiquerez pas le Hamas. Il faut isoler. On n'éradiquera pas le Hamas. Mais bien évidemment que non, que vous n'éradiquerez pas le Hamas. C'est un vœu pieux de Benjamin Netanyahu. Les chefs du Hamas sont réfugiés en Syrie, au Liban, au Qatar. Vous allez bombarder le Qatar. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tout le monde sait que vous n'éradiquerez pas le Hamas. Il faut isoler politiquement le Hamas. Et pour isoler politiquement le Hamas, il faut faire la paix. Vous voulez ressusciter une autorité palestinienne qui n'a plus... Mais qu'est-ce que vous voulez faire, vous ? Vous voulez faire disparaître la population palestinienne. Donc, bien évidemment qu'il faut faire en sorte qu'il y ait un processus politique qui leur permette... Donc, concrètement, dans votre logique, la reconnaissance est faite pour
favoriser l'autorité palestinienne contre la Hamas, favoriser le transfert d'autorité. Elle est surtout faite, la reconnaissance de l'État de Palestine, elle est surtout faite pour augmenter le rapport de force vis-à-vis du gouvernement israélien. Je ne suis pas favorable qu'à ça. Je suis favorable à un embargo sur les armes. Je suis favorable à des sanctions économiques contre le gouvernement israélien. Je suis favorable à la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël pour qu'on obtienne le cessez-le-feu le plus rapidement possible. La Cour internationale de justice a demandé vendredi un cessez-le-feu. Maintenant, ça doit s'imposer. Et les élections européennes qui ont lieu, et je m'arrêterai là-dessus, le 9 juin prochain, sont aussi une occasion de dire notre mot sur ce sujet. Et je dis aux gens qui nous écoutent, si vous votez pour la liste de Manon Aubry, vous aurez des députés qui vont se battre au Parlement européen pour la reconnaissance, pour la suspension de l'accord d'association, pour l'embargo sur les armes, pour les sanctions contre le gouvernement Netanyahou, pour que ce massacre s'arrête immédiatement. Voilà aussi un des enjeux de la campagne des élections européennes. Merci Emmanuel Bompard d'avoir été l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews. Je vous rajoute que Laurence Ferrari et moi-même, nous vous donnons rendez-vous jeudi soir, le 30 mai, pour le grand débat des européennes avec les principaux candidats sur CNews et sur Europe 1. Très bonne journée sur nos deux antennes.